Donc aujourd'hui, les jeunes du quartier ont organisé un tournoi à la mémoire de notre défunt capitaine Abotior. Et j'ai eu l'honneur véritablement d'être pris comme parrain. Donc je voudrais d'abord les remercier pour le choix porté à ma modeste personne. Nous avons communié ensemble et c'était un moment très important parce que c'était un moment de rappel à notre cher capitaine Abotior, qui était une personne très engagée dans le quartier et qui était un meneur d'hommes, qui était le capitaine de l'équipe. Donc vous voyez bien qu'il mérite cette organisation, cette manifestation. Donc vraiment, je suis comblé de joie. C'est un problème qui est là. Vous savez, comme je l'ai dit, dans les anciens lotissements, les gens n'ont pas prévu de terrain. Je me rappelle quand, parce que le terrain où s'entraînait l'équipe Soukoupapaï, c'est un terrain qui appartenait à l'église. Donc, à un moment donné, j'avais demandé au maire de racheter ce terrain-là et de le dédier aux jeunes. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Mais c'est un problème qui est là et qui se trouve parce que c'était le seul terrain qui polarisait les quartiers de Djiringo, Lingane et autres. Donc, c'est un problème réel qui est là. Je pense que la mairie doit véritablement se tourner vers ce fléau-là, parce que c'est un fléau que je peux dire. Parce que si les gens n'ont pas là où s'entraîner et qu'ils parviennent à s'entraîner dans des écoles, ça détruit les salles de classe et ça n'arrange pas véritablement l'environnement de l'école. Donc c'est un problème qui est là. Nous allons poser ça en conseil municipal. Nous allons sensibiliser. Si c'est possible de racheter des espaces ou qui appartiennent à des espaces privés, je pense qu'il faut la faire pour véritablement permettre aux jeunes de s'épanouir parce que c'est nécessaire véritablement pour le rayonnement du sport parce qu'aujourd'hui Ziguinchor est une ville sportive. Donc nous pensons que les jeunes méritent d'avoir des espaces où s'entraîner. Méridional.